Maintenir en permanence le dialogue social entre cadres du ministère et toutes les structures sous tutelle. Cette session en est une parfaite illustration. Le dialogue social est un cadre institutionnel pour passer au peigne fin les véritables problèmes des travailleurs, les satisfaire pour en tirer une plus-value. Tout le personnel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique se tient prêt pour mener des luttes plus corsées et sans ménagement ni complaisance jusqu'à satisfaction totale de ces légitimes revendications. Le ministre Saka Lafia espère beaucoup de cette rencontre. Les présentes assises permettront de jeter les bases d'un dialogue franc, constructif et productif, indispensable à l'accomplissement sans faille de la mission assignée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Après plusieurs séances de travail, le comité préparatoire des présidences assises soumettra à votre attention, synthétisé par les trois syndicats du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique sur laquelle vous vous pencherez, pour en sortir de manière consensuelle des propositions de résolution à soumettre à la hiérarchie. Une séance de travail a réuni par la suite les élus locaux, le préfet et les forces de l'ordre. Il est question d'assurer une meilleure sécurité aux populations. Cette visite, combien importante pour nous, renforcera et galvanisera davantage la troupe en charge de sécurité dans le département, afin que de jour comme de nuit, nous puissions veiller à assurer la sécurité des personnes et des biens dans notre département. Saka Lafia vient ainsi rassurer à nouveau les populations du dispositif sécuritaire mis en place par ses services pour leur bonheur.